Mes loulous, je suis ravie de vous retrouver pour un tuto make-up que m'avait demandé ma sœurette Sybille de la chaîne Sybille. Ce soir, on va se marrer. Donc, je relève ce défi. Donc, en premier, j'ai mis ma crème de jour, donc Uriage, que j'avais eu lorsque j'avais fait mon allergie. Donc, je l'ai déjà mise pour que ça pénètre bien. J'ai mis mon bandeau et c'est parti. Donc avec le premier petit pinceau comme ça de chez Docolor, je vais prendre mon fond de teint un Revlon et c'est le numéro. J'en sais rien. C'est pas mal que. Beige sable. Donc j'en mets un petit peu. On va hop. Quand même. Hein. J'espère que vous verrez bien. Voilà, et maintenant nous allons l'étaler. Alors, comme je l'ai dit, moi je suis pas pro du make-up. Je suis pas. Voilà, hein. Je suis pas professionnelle. Donc on en met un peu aussi là sur les oreilles pour la démarcation. J'espère que vous verrez bien parce qu'on a quand même une luminosité pas très bien. Il flotte encore aujourd'hui. Donc voilà, là, hop, on étire bien comme ça, ça permet de bien, par contre, je vais peut-être prendre ma glace pour là, comme ça, je verrai quand même ce que je fais. En même temps, ok, pour le fond de teint. Maintenant, avec pourquoi j'ai pas j'ai oublié un petit pinceau. Je croyais que j'avais tout sorti. Bah non, il est là. Je vais mettre l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est de chez Max & More, je l'aime bien. Donc on y va. On fait un V. Alors, vous savez que moi, je fais pas de montage. Ça sera vraiment ah bah, s'il me manque, je vais chercher un petit pinceau. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Donc toujours de la même marque Color Docolor, je vais étaler le fond de teint. En tapotant.
Et on peut même en mettre au-dessus. Voilà, on va tamponner. Alors moi qui suis pas droitière, ça va être un peu compliqué. Donc là, ça fait un peu blanc quand même, hein. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer si j'arrive à ouvrir ma poudre. Alors, mais c'est pas vrai. Allez là, la petite languette. En même temps, c'est un peu blabla, hein. On se retrouvera après pour une autre vidéo. J'étais à Action. J'ai trouvé quelques petites choses, mais voilà, sans rien de transcendant. Donc là, la poudre, c'est de la poudre. Ouf, oui, c'est de la poudre de chez W7. Et moi, je vais poudrer en dessous où j'ai mis déjà la l'anticerne. On enlèvera après. On enlèvera après, vraiment. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Je vais faire mes sourcils. Donc, c'est de la marque Guerlain, brun idéal. Voilà, je les brosse bien. Je peux peut-être par contre poudrer là. Le front. Bon, je poudrerai tout en tant qu'à faire. Je voulais le faire en dernier. Mais je vais le faire tout de suite. Voilà. Comme ça, je peux refaire mes sourcils. Donc, on les brosse à rebrousse poil. Et on les remet comme il faut. Voilà. Et là, on va... Donc, c'est un crayon, hein. Là, je vais faire vraiment de ma carnation. Puisque je dois faire avec la palette de ma sœurette. Donc, je ne vais pas me faire les sourcils... mauve. Chaque
Donc voilà. Je trouve qu'elle est en bas. Hop. Voilà. Ensuite, nous allons mettre de chez Cargo HD. Un fard à paupières, donc une base à paupières. Sur toute la paupière. Voilà. Hop. Sur toute la paupière. Dans le coin interne et dans le coin externe. Alors si je regarde là, c'est que par là, c'est que j'ai mon miroir. D'ailleurs, je vais le nettoyer un peu parce que... Ah, là, je vois un peu mieux. Voilà. Et donc, là, c'est parti, mon cucu. Donc, avec Amazing Christmas de chez Mariano. Mariano. Enfin, bon, vous m'avez compris. Il faut que j'arrive à l'ouvrir, par contre. J'avais déjà eu du mal la première fois, mais là, je crois que je vais avoir du mal aussi. Ah, voilà. Alors, je prends pas les piou-piou, je les garde. Donc, je vais prendre... Parce que c'est par trois couleurs, je vais prendre ces trois ici. Donc, sur la paupière mobile, je vais mettre le plus clair. Par contre, ils disent pas ouais, dans les numéros. Donc, la plus claire. Donc, on y va. Pas très... par contre, pas très pigmenté, hein, ceux-là. Donc là, hop, on y va. En même temps, donc j'espère que vous voyez bien. Enfin là, pour l'instant, ça se voit pas, hein, je vous le dis tout de suite. C'est comme un genre de crème. Enfin, ouais, très pâle. Mais c'est bien pour avoir la base. Ensuite... Je vais prendre le même. Et là, on va y aller. On va voir. Oh, ils sont pas énormément pigmentés. Hein. Je vais prendre l'autre là. Allez. On y va. C'est parti. Alors ça va vous faire foncer, mais vous inquiétez pas, hein, on va comment ? On va après flouter tout ça. C'est vrai qu'il est assez foncé hein, quand même. Les policiers sont mobilisés pour une opération grande vitesse. Un radar va être installé pour flasher les gros excès. Mais on va flouter. Bon, c'est pas très grave. Donc on y va, c'est parti. Ce soir, les policiers partent donc à la trappe des chauffards. Une opération qui peut s'avérer dangereuse.
Donc on floute, on floute, on floute. Par contre, j'ai l'impression que j'ai un œil. Alors, je vais me regarder là quand même. Hein. Même si on floute. Ouais. C'est bon. On va flouter, flouter, flouter. Hop. Je vais prendre. Allez, soyons fous. Mais là, je vais la prendre en petite quantité parce que je pense que c'est de l'or. Oui. Je vais la poser ici. Avec le même pinceau que j'ai flouté, hein, c'est pas très grave. Donc, hop. Et on floute avec l'autre. Voilà. Hop. On floute, on floute, on floute, on floute. Alors comme je l'ai dit, moi je suis pas pro, hein. Donc pour ceux que ça ne plairait pas, eh bien passez votre chemin. Mais il suffit de passer son chemin et puis voilà, on n'en parle plus. Un peu de or, voilà. Alors pourquoi j'ai gardé la poudre? Tout simplement pour les chutes, comme ça je pourrais après, d'ailleurs je vais en remettre, l'enlever tout simplement pour éviter que les chutes, parce que il y a un peu de chute qui est tombée et je pourrais enlever tout d'un coup. Ensuite, on va mettre un peu de blanc ici. Un coin de lumière. Voilà, on va flouter aussi hein, parce que là, quand il n'a pas eu la main leste. Donc, on va enlever un peu quand même. Hein. Je vais faire mon trait d'eyeliner comme j'ai l'habitude avec un pinceau. Pareil avec le marron. Alors là, on y va.
La seule hantise de ce jeune homme, c'est de perdre son permis. Il n'a aucune conscience du risque qu'il a pris en conduisant aussi. En plein contrôle, Sophie se rend compte qu'un motard vient de prendre la fuite. Elle tente d'aider son collègue. Alors moi, je me mets pas de crayon sous les yeux. Je me mets que là. C'est pas évident, hein, de faire une vidéo et en se maquillant. Alors les phares sont un peu poudreux par contre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des chutes. Même sur la palette, il y a des chutes. Ouais, ce maquillage est vraiment un peu foncé. Donc pour la journée, je ne suis pas vraiment sûre. Les couleurs qu'il y a dedans sont faites pour la journée, mais plutôt pour le soir. Ouais, sont plus pour le soir parce que ils sont un peu foncés. Je vais quand même essayer d'estomper encore. Estompage. Enfin, floutage plutôt. On floute. Mais ça fait quand même foncé, hein, je vous le dis. Même en floutant, ça fait foncé. Bon, j'ai pas pris les couleurs en plus vraiment claires, quoi. Hein. Voilà, on va mettre, on va essayer de reprendre celui-là pour mettre là. J'espère que vous aurez la vidéo avec le son parce que j'ai oublié d'éteindre la télé. Et comme il y a une émission, j'espère que ça va pas faire le droit d'auteur ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas de la musique en même temps, donc pas non plus abuser. Où est la liberté dans ces cas-là? Alors là, je vais reprendre peut-être. Hop. Alors là, on sent seul au monde, hein, quand même, hein, quand on fait un make-up. Et en même temps, je vais pas vous raconter, voilà, ma vie. Enfin, déjà, vous la connaissez pas mal, donc je vais pas en rajouter. On va remettre un peu, hop. C'est...
Donc là, je vais poudrailler. Ça se dit pas poudre, enfin poudrer, vous aurez compris. C'est vrai que ça fait très foncé, hein. C'est un maquillage vraiment plutôt de soirée, hein. Plutôt de soirée. Voilà. Par contre, j'ai pas. Ah oui, mais j'ai pas d'autre. Oh, bah, je vais prendre les petits piou-piou, tant pis. Donc, je vais mettre du blanc là, quand même. Un peu plus pour que ça égaye. Parce que là, il est vraiment foncé, foncé. Hein. Donc du blanc. Et là, c'est la palette PS Pure Glow. Hop. Et bien sûr, Corinne, t'as pas tout pris. Tu vas relever. Tu vas te relever, ma fille. Tu vas te relever, eh oui, eh oui, eh oui. Quand on prend pas tout, c'est ça. Hein. Ça fait des allers-retours, ça fait travailler en même temps, donc c'est très bien. Donc on va mettre, hop, ici. On va mettre sur le nez. On va mettre sur l'arc de Cupidon. Voilà. On va mettre... voilà. On va mettre deux... Ah, bah bravo Corinne. Bah, je vais le faire au doigt, c'est pas grave. De l'highlight. Donc là, je vais le faire au doigt, hein, tant pis. J'ai fait tomber le pinceau, je vais pas me baisser. Et j'en vais me mettre là. Voilà. En souhaite. À la de blanche. Ça se voit et il se voit pas trop. Elle est sous le choc, monsieur. Oh my god. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah ouais, parce que là, le... C'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup le blush. Bah non. Le blush. Mm-hmm. Bien sûr, Corinne. Oh, non, je vais pas mettre des paillettes. Mon Dieu. Si je mets des paillettes, alors là, je n'enlève plus. Donc, je repars. Je vais mettre celui-là. De chez... Géverly. Lovely. On y va. Roulant, votre véhicule est roulant. Oui, d'accord. On va ramasser tout ça.
Hop. On va en mettre un peu par là. Alors là, ça va faire vraiment clown parce que c'est la première fois que je fais ça. Et j'aime pas trop, à vrai dire, j'aime pas trop le contouring. Mais bon, on va hop. Bon, je crois que j'en ai mis largement trop. J'en ai mis largement trop. Oui, là, je crois que j'y étais. Hein. My God. Alors, faites pas de comme moi. Hein. Faites attention. Parce que là, franchement... J'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis beaucoup. 32 minutes, mon Dieu. Il y en a qui ne vont pas regarder jusqu'à la fin, moi je vous le dis, hein. Et comme je fais pas de montage et que je coupe pas, eh bien, ou vous regardez pas. Maintenant, mascara de chez L'Oréal. Donc, c'est faut mettre du blanc avant. Non, qu'est-ce que je fais, moi? Les fibres avant et puis... Le problème, c'est que je vois plus les numéros. Ah, si, là, le 1, voilà. Hop, il y en a qui vont pas regarder jusqu'au bout, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que j'ai réussi mieux un œil que l'autre, mais bon, hein, c'est pas grave. Voilà. Numéro 2. Sur le périphérique, pas de temps de souffler. Eric vient en effet d'être appelé sur un accident grave. Quand il arrive. Donc le mascara, vous savez le mettre. Voilà. Alors bien sûr, je n'ai pas le temps de mettre des fossiles, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes et demi. Vous avez toujours marqué quand on met le mascara, on est... Voilà, on a l'air un peu bébête. Voilà, 34 minutes. Il y en a qui ont décédé avant. Je vous le dis. Ah, bravo Corinne. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Généralement, il faut pas parler quand on se maquille. Alors comme j'ai pas le temps que ça sèche. Voilà, on va mettre. Hop, on va camoufler. Camouflage. On a l'air canard. Voilà. Et il me reste à mettre le gloss. Donc c'est de chez Zao. Autour du camion des pompiers, le périmètre
circonstances qu'ont lieu la majorité des accidents. C'était il y a seulement quelques semaines. Voilà. Ce que ça donne. On va essayer d'aller à la fenêtre. Je pense qu'on serait mieux pour voir vraiment le résultat final. Mais bon, j'espère qu'il n'y a personne dehors parce qu'ils vont me prendre pour une folle. Voilà ce make-up. Voilà, j'espère que ma sœurette, ce tuto make-up t'aura plu. Oh là, je suis dans le noir, dans le voilà. J'espère en tout cas que ce make-up t'aura plu. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez, voilà. Enfin, voilà ce que ça donne. Si cette vidéo vous a plu, c'est comme ça. Pour les autres, c'est comme ça. Likez, commentez, partagez. Et si toi, oui, toi, tu passes par là pour la première fois, effectivement, si tu vois cette vidéo, à mon avis, tu t'en vas en courant. Mais reste quand même, hein. Et puis, abonne-toi. Si le cœur t'en dit, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve pour une vidéo juste après, donc je serai maquillée et coiffée.